PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, le Paris Saint-Germain rencontrait Angers pour la 10e journée de Ligue 1. On en remporte les 3 points, mais ça a été particulièrement poussif et assez redondant, notamment après un match face à Rennes qu'on a perdu. Match à deux visages ce soir, une première mi-temps catastrophique. Ensuite, en deuxième mi-temps, on arrive avec de nouvelles intentions et notamment grâce au changement de Pochettino, on fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Est-ce que pour toi, ça a été l'effectif qui était mauvaise pour la première mi-temps, notamment comme tu le cites? Oui, après, quand tu vois la compo, c'est compliqué. Gauche, c'est compliqué la compo. Toi, tu parles de Colin et. Colin Rafinha, ça fait pas rêver. Hein. Bah après, stars, ça manque. Hein. Après, oui, on avait plein de joueurs qui n'étaient pas là, forcément. Après, il faut rappeler, bien sûr, que Angers, c'est une très bonne équipe. Quatrième en Ligue 1. Ils ont battu Lyon 3-0, ils ont fait nul contre Marseille, faut pas les sous-estimer. Donc franchement, ils sont venus au parc pour faire quelque chose, on l'a vu ce soir. Après, on repart avec les 3 points. Bah justement, tu dis qu'ils sont 3e aujourd'hui, là, Angers, ou 4e, ouais. on va vérifier. Mais justement, cette victoire, est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur comme on pouvait remporter face à un Lyon où ils étaient 3e ou 2e, ou Lille la saison dernière, par exemple, ou il y a 2 ans? Est-ce que Angers aujourd'hui n'est pas la surprise justement du haut de classement? Ça, on verra au fil de la saison, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, enfin ce soir, pardon, c'est une victoire très importante. Voilà. Les victoires comme ça, c'est même si c'est compliqué, on arrache la victoire, mais c'est très important de gagner des matchs comme ça, et c'est comme ça qu'on gagne un titre. Si ce soir, on se concentre un petit peu sur l'aspect offensif, on a eu l'impression qu'il n'y avait que Kylian qui pouvait faire la différence, malheureusement. Et malheureusement, alors qu'il est entouré quand même de Icardi ce soir, et Rafinha, quel a été le problème à ton avis? Icardi, c'est qu'il ne bouge pas. C'était Kylian contre le reste du monde, voilà. Ce soir. T'as un Icardi, tout seul il fait aucun appel, il est là. Non, franchement, Icardi. En pointe. Oui, ouais, Icardi, franchement, je commence à en avoir marre. Après, t'as Rafinha sur le côté. C'est pas son poste, donc c'est compliqué. Franchement, l'attaque au début, c'était compliqué. Si on parle un petit peu du milieu, qu'en avez-vous pensé de ce trio? Danilo, il fait une première mi-temps quand même compliquée. Après, il se rattrape. Il se rattrape en deuxième mi-temps. Après, Verratti, faut le rappeler. Faut le souligner ce soir, qui fait un match un peu très compliqué, moyen. Très moyen, surtout dans la première mi-temps. Et Herrera, il a fait un bon match. Ouais, dommage sur la fin du match, il rate une occasion. Après, il sort, mais non. Dans l'ensemble, ça va. Mitigé quand même le milieu. Mitigé. Bah, comme dans l'ensemble du match au final. Oui, c'est mitigé. Gay qui manque, bien sûr. Gay qui a manqué, bien sûr, ce soir. Après, il y a plein de titulaires qui manquent. Oui, il y a Leipzig mardi. Et voilà. Confiant justement pour les Leipzig? Oui, franchement, confiant. Après, faut pas trop prendre en rigueur le match de ce soir. On a beaucoup d'absents. Donc, non, le match de mardi, j'ai hâte d'y être. PSG Leipzig, c'est une belle affiche. Donc, voilà, confiant. Bah, je vous remercie encore, les gars. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, Paris. Toujours.